Yes, we can. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant 20 heures. La BD serait-elle le seul îlot de liberté dans cet océan de bien-pensance? Les auteurs et dessinateurs Frédéric Federzogne et Fabrice Orlin de Corsica Comics Éditions sont nos invités. Xavier Affre, une fois n'est pas coutume, nous présentera deux BD, Les mauvaises gens et L'odeur des garçons affamés, et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. De la BD, vous êtes plein de surprises. Ce soir, je fais mon petit Marcel Pétrichol illustré. D'accord, voilà. C'est parfait. Ouais. Frédéric Federzogne, Fabrice Orlin, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes les heureux papas de deux personnages cultes de la BD insulaire. Frédéric, pour vous, c'est Pétrousante. Mmh. Et pour vous, Fabrice, c'est Razorback. Ouais. Tous deux édités aux éditions Corsica Comics. Alors, cette fois, je m'adresse à vous, Frédéric, particulièrement. Est-ce une envie de liberté, voire d'indépendance, qui vous a poussé à créer votre propre maison d'édition? Alors, il y a forcément une idée de liberté là-dedans. De toute façon, il y a une liberté, une idée de liberté dans la création, à un moment donné, voire un acte de résistance à un moment donné. Et c'est surtout, à un moment donné, le manque de support, de médium qui nous a poussé à vouloir exprimer certaines libertés, peut-être, à travers notre art. Et la bande dessinée, oui, comme le cinéma, traite de ces choses-là. Et ensuite, on est plutôt, au départ, dans une ligne éditoriale satirique. Et Dieu sait si aujourd'hui, la question de liberté sur telle ou telle question est importante. Bon, aborder la question comme ça, par la liberté, j'aime beaucoup. Dans le dernier Pétrousante, le tome 7, Le réveil du Prisout, j'ai mis une phrase de Victor Hugo, justement, dedans. Je mets toujours une petite citation qui me parle. Alors, ça peut être Victor Hugo, mais ça peut être aussi l'Afrique, un conteur africain. Et c'était sur la liberté, donc je trouve ça rigolo, justement, de parler de ça. Et justement, Victor Hugo dit que la liberté commence là où s'arrête l'ignorance. Et je pense que dans le cinéma ou dans la bande dessinée, il y a une idée éducative, sans prétention, entre guillemets, à un moment donné, et qui peut permettre certaines libertés. Et dans la bande dessinée, certains auteurs, justement, travaillent sur ces thèmes-là de la liberté et mettent en avant. Et est-ce que c'est facile de se lancer dans une telle aventure quand on sait que le marché du livre, pas forcément flamboyant, est-ce que le marché de la BD le permet plus facilement? Alors, c'est une vaste question. Est-ce que la bande dessinée aujourd'hui marche? La bande dessinée aujourd'hui marche si elle est intéressée par le public. C'est toujours pareil à un moment donné. Donc nous, on a monté Corsica Comics au départ justement parce qu'il n'y avait rien qui se passait de ce côté-là. Ce qu'il faudrait préciser quand même, c'est qu'on n'est que dans la création originale. C'est-à-dire que comme nous, quand on était plus jeunes, on aimait des personnages, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, tout ça et tout, on a très très tôt voulu développer justement des personnages de fiction, certes, ça dit certaines choses, mais c'est dans l'ensemble du catalogue, en général, des personnages qui sont importants. Et si on arrive à avoir une symbiose avec le public, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a 13 ans en débutant la série Pétrousante, d'abord chez d'autres éditeurs. On a bien vu que le public, il y avait une attente du public. Et donc il y a une sorte de symbiose qui peut s'opérer, mais il faut que l'auteur sache s'effacer aussi derrière son personnage. Fabrice, vous, votre personnage, c'est Razorback, le sanglier le plus malchanceux de la BD. Oui. Présentez-nous ce personnage. Alors, est-ce que vous êtes venu à la BD par Razorback? Ah non, pas du tout. J'ai fait beaucoup, beaucoup de BD, bien sûr, qui n'ont pas été éditées. Beaucoup d'horreurs, hein, avant d'arriver à faire quelque chose de bien. Enfin, je pense que quelque chose de potable, je dirais. Parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de son travail. On essaie de faire le mieux possible. Et pour Razorback, bon, c'est le sanglier le plus malchanceux de l'île. Il est poursuivi par une famille de chasseurs, mais pas que ça. Il lui arrive beaucoup de mésaventures au long des six albums.
Oui, il meurt régulièrement. Je crois près de 200 fois en un tome. Voilà, c'est beaucoup quand même. Voilà, on a dépassé presque les 200 là. Donc, mais il va continuer, bien sûr, jusqu'à, j'espère, arriver à s'en sortir. Le tome 6, c'est ça? Vous êtes au tome 6? Là, je travaille sur le tome 7, qui sortira l'année prochaine. Et, qu'est-ce que ça nous réserve comme surprise? Il va y avoir des nouveaux personnages, comme à chaque album. Mm-hmm. Ceux-là, ils ne viendront pas d'un village, d'une ville. Ils vont venir d'une autre planète, justement. Et il y aura des nouvelles aventures avec ça, quoi. Xavier. Si vous permettez, moi j'ai deux petites questions. C'est deux en une. Allez. La première, c'est, je voulais savoir, parce qu'on parle de tome 6 et 7, non, 6, 7, qui est en préparation. Est-ce que vous n'avez pas peur, à un moment donné, je n'ai pas lassitude, mais que ce personnage, de dire à un moment donné, on va le quitter, on passe à autre chose? C'est la toute première petite question. Et la deuxième, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, parce qu'il faut être honnête, c'est tordant, on se plie en deux, quand on lit ça, moi je trouve ça extraordinaire, mais est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, bon, un tome, deux tomes, trois tomes, ça va, maintenant, l'humour, là, même sur nous, stop, hein, ça commence à, ça suffit, quoi. Non, mais en fait, ils en demandent plus. Hein? Et c'est toute la difficulté de pouvoir créer de nouvelles histoires, trouver de nouveaux thèmes. Après, bon, ce qui me concerne, moi, dans les séries, j'aime bien qu'elles se finissent. J'aime pas, au bout d'un moment, dans le fil de la série, ça s'atténue et on perd l'énergie qu'il y avait au début. Donc, vous avez déjà envisagé la fin? J'ai le dernier tome en tête. D'accord. Je sais ce qui se passera à la fin. Et alors? Vous verrez dans 20 ans. D'accord, ouais, ça va. C'est une longue série alors. Ah oui, j'espère que ça va durer longtemps quand même. Est-ce que les personnages comme Razorback et comme Petrouzante, Frédéric, permettent plus facilement de dénoncer les petits et les grands travers de la société insulaire? Oui, tout à fait, mais toutes les sociétés finalement. Bon, c'est Romain Gary qui dit, parce que. En ce qui me concerne, le travail que je fais avec mon scénariste des Desiderius sur Petrouzante, il y a beaucoup d'ironie. Donc Romain Gary dit que l'ironie est une garantie d'hygiène de l'esprit. Est toujours une garantie d'hygiène de l'esprit, donc de la pensée en tout cas. Et donc ça travaille sur l'ironie, et c'est quand même une manière de montrer les choses, de parler, d'aborder tel ou tel thème à travers une ligne satirique, humoristique, sur le ton de l'humour, le propre de l'homme. Pour rebondir sur ce que disait Xavier tout à l'heure et tout, il est très 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 difficile de faire rire quelqu'un. On fait plus vite, facilement pleurer quelqu'un que rire. Donc c'est très très compliqué, pour revenir sur ce qui était dit. Effectivement, ça demande un travail pour trouver un gag, pour mettre un gag en place qui marche, qui fonctionne, qui plaise. Qui soit mordant, c'est pas toujours évident. Donc dans la durée, c'est pas toujours évident. Mais pour revenir sur ce qui a été prononcé tout à l'heure, parce qu'il y a la casquette éditoriale, la casquette auteur, est-ce que ça marche? À un moment donné, c'était la question qu'on posait à Peyo, parce que Peyo était un grand artiste, il était capable des plus grandes œuvres de sculpture, de dessin, de peinture, et on lui reprochait souvent de rester Cochtroumpf. Bon, c'est une très très belle aventure avec toute l'équipe, Maurice, Goscinny, tout ça. Et en plus, bon, ça devait être. On aurait aimé vivre des époques comme ça. Mais voilà, c'était quand même quelque chose qu'il travaillait. Et il répondait à chaque fois que c'était les Schtroumpfs qui le faisaient vivre. Et donc, tout simplement, finalement, c'est le public qui le faisait vivre, parce qu'on ne dira jamais mille merci vraiment au public, parce que c'est le public qui décide si quelque chose marche ou ne marche pas. Et donc il répondait ceci. Alors effectivement, ça a dû lui demander beaucoup de travail, c'était énorme comme travail, il faut toujours trouver de nouvelles idées, de nouveaux gars, mais l'actualité est riche, permet, justement, on va voir ça. Pas mal de choses aussi. Parce que pour Petrouzante, c'est pas vraiment le côté « c'était mieux avant », mais il y a le côté bon sens paysan, distance et ironie, vous l'avez dit, qui permet de mettre en perspective tout ce que l'actualité alors nous offre comme de vrais cadeaux. Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est déjà quelque chose qui est très propre à la Méditerranée,
Dans chaque pays de Méditerranée, on a tous quelque part un Grosso Minout ou un Nasser Adin Jaha ou des gens comme ça de bon sens, d'ironie, de malice qui vont vraiment passer des petits messages. Mais je m'aperçois finalement de plus en plus, parce que c'est une relation à mes grands-parents et à mon grand-père aussi au départ, mais bon, sans trop aller là-dessus parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, c'est pas la question la plus importante aujourd'hui parce que le cartoon nous a dépassé quelque part à un moment donné. Mon grand-père n'est plus là, mais il est toujours là quelque part. Et donc je me disais, c'est quelque part une sorte d'uchronie. Et si mon grand-père était toujours en vie, alors que ferait-il face à une émeute de pâte à tartiner, voilà et tout. Et donc à chaque fois, finalement, l'actualité, et s'il était là, alors on partage le même grand-père aujourd'hui avec mon scénariste des idées au travers de ce personnage, mais on a tous les deux ce même état d'esprit. Et effectivement, voilà, à partir du moment où on décide de se placer sous son angle, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une influence quand même, alors hormis l'actualité, parce que l'actualité, j'imagine que c'est un vivier, c'est un peu comme pour les comiques hein, sur scène, l'actualité, oui. Pourvoyeuse d'idées, de gags. Mais est-ce qu'à un moment donné, peut-être au début, moins maintenant, est-ce que vous avez eu quand même un auteur, peut-être, à qui vous avez pensé, qui vous a quand même influencé de près, de loin ou... Dans cette veine satirique, pour ma part, je dirais plus des auteurs comme Goscinny. Pour la partie scénario, mais je dirais ensuite au niveau graphique des auteurs comme Franquin, voire encore plus Gottlieb, et tout cet univers fluide glacial finalement qu'on a pu connaître notre génération à un moment donné. Quoi. Pour vous, Fabrice. La même chose, Goscinny, hein, ouais. Fluide glacial. Après, bon, les nouveaux aussi, hein, y a des nouveaux auteurs. Moi, je suis admiratif du travail de Zep, c'est un autre. C'est notre domaine, Titeuf, et aussi absolument fan de Bill Watterson avec Calvin et Hobbes. Ça, c'est, on traite aussi de l'enfance, de la philosophie, du monde. Est-ce qu'il est plus facile, Fabrice, selon vous, de s'exprimer ou de dénoncer en BD ? Moi, je ne suis pas dans la dénonciation. Je me sers de mon animal, justement, pour... Pour parler de certaines choses, par exemple, je prends, là il me vient l'idée du Bella Ciao, où je me suis servi de la différence cochon-sanglier pour parler du racisme, mais sans vraiment montrer du doigt, en étant quand même humoristique sur cet album-là. Il n'y a pas vraiment de dénonciation. Et est-ce qu'on touche le public différemment par la BD, à travers la BD ? Selon vous ? Ben, on touche des gens qu'on ne pourrait pas toucher si on leur parlait. Avec le dessin, on peut faire passer plusieurs messages. Et dans le gag, ce qu'on fait souvent, c'est... y a un gag, Razorback, c'est simple, il meurt à chaque planche. Donc pour un enfant, lui, il va voir le gag humoristique, la façon dont il va mourir et tout. Mais il y a une deuxième lecture derrière, où on peut parler d'écologie, on peut parler de beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que c'est intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé de Franquin. Oui. C'est une de mes, moi, une BD fétiche à la maison, c'est Gaston Lagaffe. Parce que je trouve qu'en fait, en vous entendant, on dit souvent que. Donc, déjà, c'est dur de faire rire. Il y a une précision quand même mécanique dans les BD de Gaston Lagaffe, un peu comme on trouve également chez vous aussi. Donc, c'est très dur de faire rire, effectivement. Et surtout, je trouve que sur le message, par exemple. Gaston Lagaffe, c'est la société de consommation à peu près, et lui, c'est un personnage qui est un peu inadapté à ça, qui est dans son monde. Et du coup, ça dit pas mal de choses aussi sur la société française, 50, 60, 70, et je trouve ça intéressant. Derrière le comique, parfois, il y a des choses très très profondes. Exactement. Et pour rebondir, pardon, excusez-moi, sur ce que vous disiez, souvent les gens, parce qu'on fait quand même, il faut quand même le dire, c'est quand même assez exceptionnel, Corsica Comics, aujourd'hui sur le territoire, il y avait vraiment pas grand-chose qui existait au niveau de l'édition en bande dessinée. Et donc, il y a un rapport immense avec le public, ce qui nous permet, donc il faut vraiment... les choses sont acceptées par le public à un moment donné, elles sont comprises. Alors effectivement, par l'humour, on essaye de passer des choses, mais voilà, c'est des choix vraiment judicieux qu'il faut faire. Alors, on se pose des questions de temps en temps, vraiment là-dessus. Est-ce que bon, voilà. Mais
La bande dessinée, donc c'est aussi, là on rentre dans le détail de ça. Moi je voudrais dire que chez Corsica Comics, aujourd'hui on a ouvert les voies aussi. On va avoir en humour et en satire aussi bientôt les aventures du docteur Strapacats. Alors voilà. Ne nous en dites pas trop, on justement, en parlera tout à l'heure. Parce qu'on en parle voilà. Juste après la chronique de Xavier qui pour une fois ne nous parle pas de cinéma. Mais bien de BD. Eh oui. Marcel, sortez de ce corps. Il faut dire que Marcel a un rôle, depuis qu'on se connaît, maintenant ça fait quelques années, important parce que j'ai beaucoup écouté ce qu'il nous disait dans des émissions sur les BD, j'en ai beaucoup lu. Et je pense qu'il m'a. Alors c'est pas réconcilié, j'étais pas fâché avec la BD, mais j'étais au basique, hein, Gaston Lagaffe, Tintin. Et c'est vrai que j'ai découvert avec Marcel plein de choses, donc rien que pour ça, je le remercie, je le salue. J'aimerais un jour qu'il me salue de la même de façon la même pour manière. Dire que je lui ai fait découvrir des films asiatiques, mais ça il veut pas. Donc il y a, voilà, ou même Xavier Dolan, vous voyez. Donc moi j'avais envie de parler d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, c'est Étienne Davodeau. Alors j'avais lu. Ce cher pays de notre enfance qui était sorti sur le sac et l'enquête qu'il avait fait. Et ce que j'aime beaucoup, alors c'est celui-là, c'est Les mauvaises gens, où il est question, donc aux éditions Delcourt, donc sorti en 2005, qui avait été récompensé au Festival d'Angoulême. Il est écrit en dessous une histoire de militant. Alors de suite, ça, l'amateur d'histoire et le professeur d'histoire, là de suite, je me suis plongé dedans avec passion. C'est une plongée dans le milieu du syndicalisme ouvrier dans les années 50 jusqu'aux années 80. La BD se termine d'ailleurs judicieusement par l'élection de François Mitterrand, qui a été presque une catharsis pour certains, espoir déçu quelques années après, très rapidement, malheureusement. Alors, ça se passe dans les Mauges, qui est une région rurale catholique et ouvrière, dans l'ouest de la France. Et sur près de 30 ans, on va découvrir comment des ouvriers, et en partie le père et la mère d'Étienne Davodeau, que lui, on découvre aussi, enfant, dans ce livre, comment ils sont venus à l'action syndicale, dans une région où, surtout dominée par l'Église, et puis petit à petit par l'usine, l'apparition aussi des usines, avec cette Église qui est très présente, les jeunesses ouvrières, par exemple, chrétiennes, JOC. C'est d'ailleurs dans le livre, grâce à ça, grâce à ce terme-là, enfin, grâce à cette institution, que petit à petit, ses parents ont glissé vers le syndicalisme ouvrier, CFDT, etc. Et donc, c'est vraiment un style, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est de la BD reportage. J'aime pas dire c'est honnête, c'est vraiment, moi, je trouve extraordinaire, c'est remarquable, parce qu'il y a la reconstitution d'époque. C'est juste. Ah, c'est juste. Vraiment, alors, il avait déjà fait déjà fait ça quelques années avant avec Rural, donc là, il est attaché au Rural, là, cette fois-ci, toujours dans une des régions qui l'affectionne particulièrement, c'est la sienne. Hein. C'est une évocation personnelle. Pour lui, c'est un hommage au combat de ses parents, au combat de toute une génération, hein, ouvrière, évidemment, qui ne s'est pas laissé faire face au patron et face au développement du capitalisme 20e siècle. C'est une émancipation collective, c'est aussi des parcours individuels. Alors on voit le prêtre, donc il prend le temps de nous montrer, de raconter l'histoire du prêtre qui avait initié ses parents, donc qui les a fait rentrer dans les JOC. Il parle de ses parents. Et ce qui est assez extraordinaire, moi je trouve, c'est les choix qu'il fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans ces BD, on voit l'histoire, et l'histoire, enfin, la BD qu'il conçoit. C'est-à-dire qu'on le voit dessiner, on le voit parler à ses parents, enquêter. Donc on ne voit pas que l'histoire de ses parents. Il y a une alternance comme ça de passé, de présent. Et c'est intéressant parce que c'est pas que l'histoire, c'est la mémoire aussi. C'est-à-dire qu'il voit avec ses parents, sa mère le voit dessiner, en train de faire la BD pendant qu'il est en train de l'interviewer. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'humour, les relations père, mère et fils, à une époque où c'était pas si évident que ça aussi. Voilà, il y a pas mal de pics, de clins d'œil, et je trouve que, sincèrement, c'est intelligent, c'est remarquable, et on se plonge dedans. Moi, dès que je commence la première page, j'ai du mal à m'arrêter. C'est qu'on a envie de lire d'un coup. On garde rapidement la deuxième œuvre. Autre chose, hein. Oui. Ça, c'est plus récent. Ça, j'ai découvert ça au hasard. Donc là, c'est pas Marcel. On est au Texas. Donc, ça s'appelle L'odeur des garçons affamés de Frederick Peters et Louis Fang, que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais de nom Frederick Peters, mais pas Louis Fang. Sorti en 2016 aux éditions Casterman. C'est western ? Oui, fin 19e au Texas. Et c'est le parcours de plusieurs personnages. On est aux confins de l'Amérique et vers la conquête de l'Ouest. Donc, là, les derniers territoires défendus par les Comanches. Et on a un photographe qui répertorie les paysages de l'Ouest pour un géologue, avec un garçon à tout faire qui est là aussi, qui les accompagne. Et autour gravitent des personnages un peu étranges, une espèce de zombie, un chasseur de primes un peu zombie. On a aussi un Indien qui ne parle jamais, qui est un peu étrange, presque un fantôme. Et où c'est fort, c'est que c'est un western.
mais c'est pas tout à fait un western classique, puisqu'il est question d'identité sexuelle, d'homosexualité, de troubles, de gens qui fuient leur passé et qui vont chercher quelque chose de nouveau, hein, en même temps en corrélation avec la conquête de l'Ouest et ses nouveaux territoires. Donc c'est un huis clos à ciel ouvert, avec des cases assez extraordinaires entre fantastique, réalisme, enfin il y a plein de mélanges pour cette espèce de road trip un peu introspectif. Et du coup, je trouve que c'est le western, mais en détournant les codes du western. Et ça, je trouve ça assez fort, et l'album est vraiment là aussi passionnant, en célébrant la photographie aussi, très importante, hein, au 19e siècle, la passion de la photographie. Fabrice, Frédéric, vous connaissiez Davodo, oui. Le dernier, non. Moi, ce que je peux dire, bah, parce que Xavier est spécialiste du cinéma, et donc... Là, on a de la bande dessinée, reportage et une autre qui met en valeur certaines choses qui n'étaient pas mises jusqu'alors. En fait, pour faire simple, en bande dessinée, il y a deux types de façons de faire. Quand on travaille dans la bande dessinée humoristique, Razorback, Petrouzan, deux types gag, on est plutôt dans une façon humoristique théâtrale. C'est-à-dire que quand on travaille le gag, quand on travaille nos plans, nos cadrages, on a... le dessinateur humoristique, plutôt une façon de faire. Encore que le Razorback, ça peut aller plus loin. Mais comme une pièce de théâtre, on a nos propres marionnettes, nos propres clowns, nos propres personnages. Et bon, Hergé, pour ça, il était plan fixe tout le temps. Vraiment, ce n'était pas de l'humour. Mais c'est encore une autre façon de faire les choses. En humour, c'est plus voilà, le côté Molière, séquencin, machin et tout. On rentre là, les personnages, et on fait rire. Ensuite, vous avez, pour faire simple, encore une fois, une autre école dans la bande dessinée qui est... celle qui se rapproche plus du cinéma à un moment donné. Et je pense que des thèmes comme le reportage, les westerns et tout, ça va rentrer dans ces thèmes-là. C'est-à-dire que le dessinateur, cette fois-ci, va exécuter son art d'une autre façon et va avoir une approche de sa planche qui est plus une approche cinématographique, d'ambiance, de faire entrer les gens dans l'action. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à tout. Et ce que la bande dessinée permet, c'est génial, c'est ça, c'est une multitude de choses, et en plus de messages sérieux, parce que les gens, la bande dessinée, les petits Mickey et tout, vraiment, et tout. Moi, je sais qu'il y avait une BD qui m'avait énormément marqué, un peu dans le genre, c'était Paroles sans papier, d'ailleurs, c'était chez Delcourt aussi, et tout, c'était sur les sans-papiers. Tout ça, c'était très, très, très bien fait. Donc voilà, il y a plusieurs écoles comme ça. Justement, et nous, on est en train d'ouvrir... Voilà, en parlant de diversité, vous nous disiez que Corsica Comics Edition allait s'ouvrir. Donc, oui, tout à fait. Nous, alors, nous, on peut peut-être citer les autres auteurs. Il existe des auteurs qui sont capables de s'exprimer, dans les, pour faire simple, dans les deux catégories. Hein. Nous, voilà, chez Corsica Comics, aujourd'hui, on avait une grosse ligne éditoriale grognée, comme on dit dans la profession, caricaturiste, satirique, avec donc le Petrouzan, le Razorback. Il était une fois le clan que j'avais créé en 2008, redessiné par le dessinateur Gaspard, et le petit Doumé de Nino. Donc. Et puis, à un moment donné, on a aussi d'autres personnes sur le territoire qui ont des identités graphiques qui sont totalement différentes et qui permettent une expression autre. Et on a eu Serge Miguel avec le premier tome de Corsis. On a ouvert une collection exprès Horizon Graphique pour ça. Et de plus en plus de monde, de toute façon, que ce soit dans l'humour ou dans le réalisme ou dans le cinématographique, nous contactent. Et dernièrement, donc, un projet s'est fait avec la dessinatrice d'Hergy et le scénariste Nicolas Antonin pour un polar qui s'appelle Le Fleuriste, qu'on aimerait bien sortir chez Corsica Comics. On a comme nouveauté cette année, donc, chez Corsica Comics, dans la veine Mad in Corse, qui est fou en Corse, référence au magazine Mad Underground, la sortie nouvelle d'une sorte de spin-off de Il était une fois le clan, donc dessiné par Gaspard, et on aimerait bien avoir aussi un autre top. On a une série qu'on va développer où Fabrice Orlin, dessinateur du Razorback, est le scénariste, et un nouveau dessinateur, Frédé, va dessiner cette nouvelle série, c'est Les aventures du docteur Strapacazzo, qui se déroule il y a 8000 ans. Donc c'est il y a 8000 ans, les premiers pas de la médecine. Donc vous imaginez à l'époque du chasseur-cueilleur, pas encore bien passé au néolithique, le niveau de la médecine et les situations qui prêtent à rire. Le tout est écrit par Fabrice, qui a l'habitude de travailler sur le Razorback. Et tout ça, on le retrouve sur
le site internet. Vous avez le site, vous avez les pages Facebook, vous avez des tas rapidement, d'infos. Frédéric et Fabrice, je vais vous poser des questions, mais alors vraiment du tac au tac. Vous êtes plutôt comics ou manga? Moi, je suis plutôt manga, on va dire. D'accord. Pour vous, Frédéric. Moi, je dirais comics. Strange, spécial Strange, la grande époque de Chris Claremont, John Byrne, les X-Men, tout ça. Votre héros de BD préféré? Pour vous, Fabrice. Calvin et Hobbes, ils sont deux. D'accord. Pour vous, Frédéric. Allez, Tank Girl, Violette, de James Violette, de Gorillaz. Votre premier coup de cœur BD? Gaston Lagaffe. Ouais. Tout premier coup de cœur BD. J'hésite, je sais pas si c'est du franco-belge ou du comics à l'époque, Strange, tout ça et tout, quoi. Plus jeune enfance. Et une BD à nous recommander, rapidement? Strapacate. Allez. Et pour vous, Frédéric? L'Arsenet, l'autre, allez. Tout ça, pour l'actualité. C'est parfait. Frédéric Federzen, Fabrice Orlin, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Xavier, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain, d'ailleurs, sur France 3 Corse, via Stella. Merci beaucoup. Thank you.